casque élection yo rivé fête comme ça doit. En côté magistrat principal commune Delma Wilson jeudi micro Jean-Philippe Massé. On a tout magistrat supposé prendre fin en juin 2020 qu'on y a là c'est l'âme qu'on a peut-être fait élection pour remplacer magistrat parce qu'il a peut-être fait élection parce que me pensais il tape toujours mieux si on fait élection pour une fois pour un élu au moins remplacer l'autre élu pour pas créer un problème qui terrain pour magistrat aller pour craser Mirio et puis retourner tout bas avec ainsi moi même point c'est ça qu'a fait votre en cas d'élection pas en fait, il y a une prolongation à Mirio jusqu'à ce qu'on remplace, pour remplacer magistrat. Parce que on va créer un autre problème, tout le monde va venir en poste, parce que nous toujours un problème nous-mêmes, députés des députés pas en poste, ils ont toujours le magistrat pas en poste. C'est un problème qui gagne, quoi que le président comprenne, que même les députés a parlé, dit bah, parce qu'il y a toujours besoin de ça, pour une nuit, président, ou nuit, Laurent Lamothe. Comme le premier ministre, président Matéli du côté FEL, il a toujours besoin de réitérer pour faire. Depuis que je parle en poste, je parle de magistrat. Je crois que là, c'est période presque c'est élu magistrat avec président qui est capable d'être comme élu. On partit parlement pas plan encore, parlant pas plan, mais c'est qu'on élu qui est capable d'être au moins garanti pour l'exécutif. Coordonnateur général de l'Union Organisation Force Sociale d'Haïti, aussi David, critiqué député et sénateur dans la 50e législature. Il dit qu'il n'a pas rempli mission dans l'intérêt pays d'Haïti, mais plutôt, il a préféré défendre l'intérêt personnel. D'après ça, il dit, dans ce sens, M. David, encourager président Jovenel Moïse pour le craser parlement. Deuxième lundi, mois janvier, qui vient là, parce que tiers Sénat, qui vient pour être à pas régler un rien que sérieux pour le pays. D'après ça, aussi David, fait qu'on est, il était dans Josué Bellam. Nous avons été élus, nous avons crasé le pays. Josian, nous clair. Pour nous dire à partir du deuxième semaine de mois de janvier, si le Sénat Capreté, il est supposé pas en œuvre encore. Merci parlementaire, merci député et sénateur. Mais le qui s'est mis le pays, nous rendons le pays dans une situation qui est vraiment difficile. Josian, le président de la République, prend toutes les dispositions nécessaires. À partir du deuxième semaine de mois de janvier, nous n'avons pas besoin de payer le monde. Parce que le monde ne va pas régler rien pour nous-mêmes. Dans le 50e législature, ça, qui loi n'est-ce pas légifié pour le pays? Oh yeah, on a payé à ça dans le Koufatra. C'est une déception totale pour si vous ne ratez populaire. Gardez qui Jean que n'a pas fait ton fait, connaît que c'est dans la misère. C'est une déception totale. Même Jean, président Rassa Breval, de craser parlement, nous demandons avec le président Jovenel Moïse, pas continuer à payer parlementaire chaque marron Saro. Parce que mon Saro, je vais rien être sérieux pour la société haïtienne. À partir du deuxième semaine de janvier, tout parlementaire Saro, je suis dans la caillou, monsieur. Bilan nous, c'est vendre drogue, c'est prendre poste, c'est faire vagabondage, c'est faire pression sur président, c'est voler tout comme dans le ministère. C'est une raison que fête Noël ça, pas de moyen pour nous casser populaire. Soit pour parlementer ça, il y a quoi faire cancer, il y a quoi faire vieille maladie, bonne vacabon, nous crasons le pays, nous pouvons faire cancer parce que nous voulons plus fort dans le pays. Les mêmes ministres, nous pouvons pas ministre en temps pour faire activité sociale, c'est voler le volet. Soit équipe délinquant, soit équipe vacabon, soit équipe machin de drogue qui ne va pas rien. Voilà, déclaration qu'aussi David, l'autre information dans le journal Méga Matin avancé, rappelé jeudi à ce vendredi 27 décembre 2019 en Apcoté, dernier sorti journal Méga Matin pour ce maintenant. Son antenne radio Méga qui c'est plus gros réseau radio haïtien dans le monde là, sous la terre bénie, j'en suis capable de dire Romane samedi pour me répéter propre parole. Président Coupe Croissance Tank Estef Farel a présenté hier jeudi 26 décembre nan, bilan performance économique et financier PIA pour année 2019 là. Économiste en fait qu'on est croissance économique PIA fini à yon taux 1,2%, yon inflation qui passait à 20% avec yon taux de change qui à 92%. Côté goût de la participante Bédi Valel devant et dollar, comme si goût de la participante prend pas ta soeur là dans main dollar. Économiste en dit c'est première année richesse PIA d'études dans niveau ça depuis après tremblement de terre 12 janvier 2010 passé. Mais c'est Farel t'es tout profité rappeler Haïti pas atteint l'objectif qui était fixé tête li pour t'es passé une croissance de 7 à 10% pour dernier 10 derniers l'année. En côté économiste Kessner Farel pour plus d'état dans micro collaboratrice nous Germina Pierre lui l'ancien ministre décembre t'es parlé de possibilité que pas de croissance économique, au côté de ces richesses qui ont détruit en la VIA, il était prévu à moins 1%. Par la suite, Banque Centrale était à moins 0,6%. Mais dernière prévision faite, c'est moins 1,2%. Donc, si nous bien regardons, depuis le tremblement de terre, là, c'est la première fois que Haïti fait sa relève destruction de la richesse pendant une année. Donc, nous sommes à 5,5% après le tremblement de terre, à savoir le support que nous avons et permettre que nous avons une croissance assez suffisante. Mais il va le baisser à 2,9
4.3 et depuis lors, la formation chute. Donc, si nous prenons pendant la décennie 2010-2019, la prévision qui a été faite après le tremblement de terre, nous devons croître en hausse de 7 à 10%. Le fameux slogan pays émergent en 2030, donc nous ne pouvons pas réaliser pendant la décennie qui s'est passée là. Donc, l'on fait moyenne de toute décennie, nous autour de 2.2%. Et si nous regardons les 5 dernières années, nous sommes en bas 1% de croissance, autour de 0.8%. Là, nous connaissons que la croissance démographique là au moins à 1.5%. Donc, nous comprenons que réellement, 5 dernières années, très difficile, c'est plus pauvreté avec extrême pauvreté qu'il y a dans le pays. Donc, nous allons regarder la situation de l'inflation pendant l'année. De novembre 2018 à octobre 2019, on a gardé le taux d'inflation par jeune suspendu, augmenté en rythme annuel de 14.5%, et je dis à nous franchir la barre de 20%. Juste une petite parenthèse, on a espéré que le gouvernement a résolu le problème ça très rapide, ça qu'on dit HSIA, parce que ça, nous a comparé à le système médical, si pas de laboratoire, le médecin n'a pas qu'à fonctionner. Je dis à là, IHSI, c'est rôle, ça l'a supposé jouer. C'est des prévisions que Banque Centrale fait dans un taux d'inflation de plus de 20%. Donc, lorsque vous ne créez pas richesse après l'inflation, c'est un barème qui est extrêmement difficile. Nous gardons l'inflation en rythme annuel, mais nous gardons en rythme mensuel, à savoir un mois par rapport au mois. Et nous prenons même période de octobre jusqu'à peut-être août 2019, puisque nous avons un chiffre septembre parce que l'IHSI n'a pas fonctionné. Nous avons que il proche parfois de 2% le mois. Donc, chaque mois, le pouvoir d'achat diminue d'à peu près 2% et chaque année, mois antérieur par rapport à mois avant, depuis à peu près 20%. Catastrophe naturelle avec instabilité politique pays a si de facto la cause économique est tombée sous la grabe comme ça. D'après économiste Kisne Farel, qui croit là 2020 à Louis Wu en 2020, une année pour nous prendre route pour nous démarrer sous une mauvaise pente là par rapport avec Jean-Pierre Ayala. Il dit toujours pas un gouvernement légitime, autorité toujours abservie avec budget 2017-2018 là. Kisne Farel rappelle que la croissance économique n'a pas marché avec instabilité économique et politique. Il m'a dit chef l'État pour joindre bon Jean Moyen là pour mettre un gouvernement légitime dans tête pays pour capable permettre Haïti à l'en souffle. Kisne Farel pour une deuxième fois. Dernière fois que ça est arrivé dans le pays, c'était 95-2000, le premier mandat de M. Brival. Côté qu'on fait 5 ans avec le même budget. Donc, je dis à là, budget ça prend 3 ans. Je me rappelle que le ministre de la Finance a fait une promesse concernant le cadre budgétaire. Donc, c'est une prétendue depuis début décembre. Donc, on aura besoin de ce cadre budgétaire parce que on une discussion qui est faite avec le Fonds monétaire international. Donc, si qu'on fait reste année, parce que nous avons du 3 premiers mois d'exercice fiscal, là, commencé depuis le 1er octobre. Donc, nous avons été 9 mois. Donc, pas de gouvernement, pas de budget, c'est la grosse incertitude. Toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, si nous répétons même bagaille, ça nous fait en 2019 là, nous faisons en 2020, il n'y a aucun doute. Parce que l'année dernière, nous faisons seulement 76 milliards de gouttes de recettes, selon la note de politique monétaire de la Banque centrale. La capacité pour répéter 76 milliards là diminue. Donc, si on n'a pas un booster pendant les premiers mois, les trois trimestres qui restent, ça peut être beaucoup plus difficile. Il faut un gouvernement, l'offre du gouvernement, il faut un budget. Et ensuite, il faut que nous soyons capables de prendre des décisions pour nous sortir d'un trou côté nous là. Parce que, comme la parenté commune, à travers les ressources domestiques, à travers les dons et à travers le financement budgétaire. Nous souhaitons montrer tout à l'heure les conséquences que l'OC a gagné, particulièrement sur les recettes budgétaires. Voilà, le gain de mois, le gouvernement n'a pas même qu'à rentrer, ça n'est pas capable de brûler 4 milliards de gouttes. Or, il faut rentrer à peu près 9,7 milliards de gouttes par mois. Donc, soit prêter seulement 4 milliards, nous sommes capables de regarder des mois là, des février là, légèrement, pour regarder septembre là. Donc, ce qui signifie à moins d'argent, ce sera extrêmement difficile de pouvoir rentrer ces fonds. Dernier communiqué Fonds monétaire international là, extrêmement alarmant. Parce que même des modèles, ils ont des variables. Un des modèles là, c'était pour machine, après, ils vont regarder les résultats. Donc, ils ne vont pas regarder à court terme encore, ils regarder à moyen et long terme. Donc, 2020-2030, donc, on a mal commencé le match football là. Donc, si vous prenez 5 goals dès les premières 15 minutes, même si vous avez été temps, et ça va passer là, premier trimestre là, pas bon pour vous-même. Donc, si vous continuez dans le prochain trimestre à dégrader, choc, pas d'un gouvernement, parce que ce n'est pas difficile, vous pouvez regarder chaque scénario. Supposez que vous mettez un gouvernement, mes résultats. Supposez que vous ne mettez pas un gouvernement, vous continuez dans la crise là, donc vous dégradez de plus en plus.
Voilà, ça c'est déclaration président groupe Croissance Lan, économiste Kestner Farrell. L'autre information dans le journal Méga Matin, toute disposition déjà prend pour marche de gloire à l'éternel là, qui a organisé 1er janvier 2020 à venir là sous l'aéroport là. Maïska principal Delma Wilson jeudi fait qu'on est à environ une vingtaine d'artistes évangéliques cap sous trois chars pour louer, prier, pour demander délivrance pour pays d'Haïti. Maïska mandé tout le monde, quelle que soit religion, venir participer dans l'activité. Ça me casque élection yo, rive fait comme ça doit. En côté, magistrat principal, commune Delma, Wilson jeudi, micro Jean-Philippe Masséa. On a tout magistrat supposé prendre fin en juin 2020. Juin 2020, qu'on y a là, c'est l'âme qui a bien fait élection pour remplacer magistrat. Parce qu'il a bien fait élection. Parce que je pense qu'il tape toujours mieux si on fait élection pour une fois, pour un élu, au moins remplacer notre élu, pour ne pas créer un problème qui est rien. Pour magistrat aller, puis craser mes rios, et puis retourner tout bas avec ainsi. Moi-même, c'est ça qui a fait. En cas d'élection pas été faite, il y a une prolongation à Mirio jusqu'à ce qu'on remplace, pour ne pas remplacer Magistrat. Parce qu'on va créer un autre problème, tout le monde va venir en poste, parce que nous toujours un problème nous-mêmes. Depuis des députés n'ont pas en poste, ils ont toujours le magistrat pas en poste. Ça, c'est un problème qui gagne, quoi que le président comprenne, que même les députés ont parlé, dit bah, parce qu'il y a toujours besoin de ça, pour une nuit, président, une nuit, Laurent Lamothe. Comme des premiers ministres, président Matéli du côté FEL, j'ai toujours besoin de réitérer pour faire. Depuis que je parle en poste, je parle de magistrat. Je crois que là, c'est que période presque c'est élu magistrat avec président qui est capable d'être comme élu. On partit parlement, pas plan, quoi. Parlant pas plan, mais c'est qu'on élu qui est capable d'être au moins garanti pour l'exécutif. Coordonnateur général de l'Union Organisation Force Sociale d'Haïti, aussi David, critiqué député et sénateur dans la 50e législature. Il dit qu'il n'a pas rempli mission dans l'intérêt pays d'Haïti, mais plutôt, il a préféré défendre l'intérêt personnel. D'après ça, il dit, dans ce sens, M. David, encourager le président Jovenel Moïse pour le craser le Parlement. Deuxième lundi, mois janvier, qui vient là, parce que tiers Sénat, qui a bien pour être, n'a pas réglé un rien que sérieux pour le pays. D'après ça, aussi David, fait qu'on est, il était dans le micro Josué Bellam. Nous avons été élus, nous avons crassé le pays. Jodian, nous clair. Pour nous dire à partir du 2e mois de janvier, si le Sénat est prêt, il est supposé pas en œuvre encore. Merci parlementaire, merci député et sénateur. Mais le qui s'est mis le pays, nous rendons le pays dans une situation qui est vraiment difficile. Jodian, le président de la République, prend toutes les dispositions nécessaires. À partir du 2e mois de janvier, nous ne pouvons pas payer le monde. Parce que le monde ne va pas aller. Même quand on est là, avant de faire une nouvelle, là, ou même qui souffre de douleur rhumatisme, ou même qui gen on Freddy cap manger sang, ou même qui souffre ça que le refroidissement, ou gen douleur ça m'a cité là haut, et bien gon remède dans l'aria qui bon en pile travail, ou même qui gen douleur rhumatisme qui gon zo cap manger chaque jour ou pas ca supporter, et bien depuis fin temps de sport ça qu'on y a là bah ça fini douleur fini pour qu'on y a là. Yo prépare deux bouteilles qui pour retirer douleur que les douleurs rhumatisme là dans santé ou qui pour zone encore aussi pour nous faire mal, eh bien, je vais prendre mon téléphone ça pour aller connia là pour acheter bouteille ça là, c'est deux bouteilles qui marchent ensemble qui bon pour maladie qui est refroidissement, attendez, refroidissement, mal ventre, infection avec ça que les zone fait mal là, comme tout le monde connaît dans douleur rhumatisme. Eh bien, soit tendez là ou gon famille ou même qui souffre maladie ça que les douleur rhumatisme, ça joue gon ventre fait mal cap tourmenter ou même qui femme qui a infection vaginale, refroidissement, eh bien, moment qu'on y a, c'est moment pas oublié pour une guérison. M'bral bon, ni mon téléphone ça pour aller acheter deux bouteilles qui marchent ensemble, les vaca marcher qui te l'autre. Yo deux bouteilles liées, mais ni mon téléphone ça pour aller, pour prendre bouteille sport qu'on y a, nous m'en parler avec quoi là. Relé dans 561-692-2814. 561-692-2814. Ou même qu'à vivre dans Freddy, ou même qu'à travailler dans Freddy, suspend, quitter Freddy à manger, ou suspend prendre douleur, eh bien, qu'on y a ce moment pas oublié pour bouteille ça devant porte la caille qu'on y a là. Quel que soit quand on rien dans le monde entier, il y a vraie bouteille là pour vous. Suspend, quitter Freddy manger sans, retirer Freddy ça dans santé ou, à deux bouteilles ça ou qui marchent ensemble. Pour plus d'informations, relève dans 561-692-2814. 561-692-2814. Merci en pile. Suspend quitter douleur rhumatisme là, Freddy ça, suspend manger santé ou. 61 692 28 14. Malé, merci.